Yo, le 3, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media Nowland et puis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodian, nous parlons vite sur le président de la République, là, Jovenel Moïse, qui rend une visite spéciale dans le cours supérieur des comptes, côté le bail d'État avec information pour visiter ça. Mais avant de nous faire ça, l'équipe Bombard Media Nowland veut remercier tout le monde qui toujours branché Bombard Media Nowland pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours quitte nos commentaires pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombard Police, équipe Bombard Media Nowland, nous apprécions ça. Et si c'est premier fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Bombard Media Nowland et puis ouvrir cette notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Nowland. Et bien on a écouté ça président gien pour dire pour visiter ça dans cours surveiller des comptes avec plusieurs autres informations, déportation haïtien dans Saint-Domingue avec dossier Toto Constant. Mais bien nous pas perdre temps, n'a pas commencé. Cool, yeah. Téléspectateurs, téléspectatrices, tout le monde qui peut attendre nous, garder nous sur les réseaux sociaux. Moi, accompagné de président pour le cours des comptes, moi, je viens faire une visite de courtoisie. Premièrement, pour me garder avec Benoît, vraiment, comment l'activité est, comment marcher dans le cours là, parce que nous connaissons la fin d'une année sous activité qui a fait dans le cours des comptes, qui a fini le 31 juillet. Son année judiciaire qui a fini le 31 juillet. Et deuxièmement, je devine ouais tout parce que quand il parole qui a parlé, il dit que la Cour des comptes, tout n'est pas gère, c'est pas normal pour sa fête. Je devine tendre avec les oreilles. Parce que en tant que garant de la bonne marche de l'institution, c'est ça lié, c'est venu tendre. Et moi, je saute rendre moins compte après 1h15 minutes de discussion, il y a pile problème de compétences, il y a pile problème dans les affaires montage dossier dans le niveau ministère. Et c'est pour ça que je prends décision en Conseil des ministres demain pour que la commission unité passation de marché qui est dans le ministère pour travailler en synergie avec la Cour des comptes. Nous sommes d'accord sur ça avec le président et le conseiller qui est là. Pour une synergie créée entre unité passation de marché ministère, entre unité passation de marché différentes institutions et la Cour des comptes, pour que le projet ne soit pas traîné, j'en sais tout arrivé là, par exemple, achat de masse que nous avons quitté fait pour la population, malheureusement, contre eux, il y a des problèmes qui ont été montés, qui fait retourner. Il y a un travail qui a fait pour retourner dans la Cour des comptes pour rapidement nous être capables de. Agir sur ça pour les gens qui te fait massure capable de toucher. Il y a d'autres contrats encore qui tournent. Mais encore, c'est Jean-Noël Soudilan, son problème de méconnaissance de certaines lois, de certains principes, et qu'on y a un travail pour une synergie créée pour que ça n'y parure encore. Deuxième acte, moi, je vais demander la Cour des comptes qui sont institutions. Qui est là pour contrôler ce qui a passé dans le niveau de l'État. Nous demandons un bénéfice de l'urgence pour les contrats d'énergie. Parce que j'en connais un pile contrat qui va passer dans le niveau électricité d'Haïti, pour affaire centrale électrique Vareux, centrale électrique Cafou, centrale solaire
qui va le construire à travers tout le pays, à poteau électrique qui va l'acheter. Et pour me citer ça seulement, le contrat qui va le faire pour nous faire une sorte de production d'urgence pour un an, pour nous capables de produire pour Villeport, pour presque souffrir aujourd'hui, non blackout, on a dit qui presque on a dit chronique, parce que depuis 30 ans, il y a connu des moments difficiles avec la production de courant électrique. Nous sommes dans les bénéfices de l'urgence et il y a des explications que membres quoi et président sont dans nous qui clair pour nous comment pour nous mettre pour nous faire un bloc monolithique pour nous monter en équipe entre EDH, ANAC et Cour des comptes pour que il y ait des contrôles qui fait sur le dossier qui va venir et puis rapidement pour nous gens ça a été fait pour l'équipement t'as pas acheté pour t'éteindre une synergie qui est créée entre le ministère de l'agriculture, le ministère des Travaux publics, le ministère des Finances et la Cour des comptes, qui te permettent que l'État, au plus haut niveau de l'État, nous te prenne des décisions qui fait que le contrat s'ajoute à travers tout le pays, il y a une route qui a construit, particulièrement route dans la zone nord-ouest, route ça qui va jamais construire depuis nous indépendants, je vais parler de route Kafoujoff en sa fouleur. C'est ça qui te mène à nous, et puis nous parler de l'autre sujet entre des responsables de l'État pour nous connaître que l'État c'est un lié, nous là pour nous, nous collaborer avec l'autre, c'est la synergie que nous avons créée. Voilà en gros. Merci, monsieur. D'appui aux rapatriés et réfugiés, sort son bilan sur rapatriement avec retour spontané d'Haïtiens qui vivent dans le territoire dominicain et qui rentrent dans le pays d'Haïti. Pour seulement 6 mois, ça, nous avons enregistré 20 629 cas de rapatriement et 78 195 cas de retour spontané. Là, nous parler de retour spontané, nous avons un groupe de migrants qui contraint par la situation actuelle là, qui est dominée par COVID-19 là, pour retourner dans le pays d'Haïti. Et nous connaissons ce qui cause de retourner. Et République dominicaine parmi les pays dans le Caraïbes qui est touché par la pandémie COVID-19. Dans le moment où on a parlé là, on a parlé de 50 113 cas qui sont confirmés dans le territoire dominicain. Il y a 942 personnes qui sont déjà mortes par COVID-19. Eh bien, depuis le 1er mars 2020, on a déclaré officiellement que le virus là, les présents dans le territoire dominicain. Ils ont commencé à officiellement déclarer des cas. Et depuis lors, les migrants haïtiens qui vivent dans le territoire dominicain, ils ont paniqué parce que il y a un peu de monde qui est contaminé par le virus. Et non seulement il y a un peu de monde qui est contaminé, mais il y a des mesures de confinement que l'autorité dominicaine prend.
mais le confinement yo permet que moun ki te kon a al fait dégage yo al travail yo pa ka al fait encore car nous connaît majorité migrants haïtiens qui dans territoire dominicain et c'est moun ki nan activité informelle c'est moun ka travail nan jardin et ka travail nan chantier construction et qui nan travail domestique et le confinement comme ça yo pa ka sorti yo même al régler activité ordinaire yo habitué régler dans territoire dominicain. En plus de ça, autorité dominicaine yo te gagne des mesures d'accompagnement à citoyens citoyennes dans pays pa yo. Malheureusement, mesures d'accompagnement sa yo pa privé toucher migrants haïtiens. Contraint par situation ça, yo pa ka sorti al travail et même si yo pa sorti, nous connaît même si yo pa al travail il y a des besoins ou besoin et qui demandé pour satisfaire faut bay kay la manger faut payer kay ça fait que majorité nan yo en pile là dans une situation ça yo choisi pour retourner la kay ça fait nous enregistrer pour 6 mois ça 78 195 cas migrants qui choisi pour retourner de façon spontanée dans pays d'Haïti. À cause de cas COVID-19 là, à monter ces nommés, est-ce que les migrants ça va rentrer dans le pays d'Haïti par rapport aux menaces au pays là? Oui, migrants ça va rentrer là, c'est vrai, nous connaissons aux frontières là, autorité haïtienne yo mettait en place des mesures pour faciliter yo tester les migrants qui vont rentrer yo, mais mesures yo insuffisantes pour arriver à tester la quantité de migrants qui sont venus au jour le jour. Et il y a quelques qui arrivent à tester, mais la grande majorité des migrants qui rentrent, ils n'ont pas testé. Vous comprenez, ils sont sortis dans le pays. Côté COVID-19 là présent, c'est une situation qui est vraiment inquiétante. Et Mounzao a supposé tester, non seulement tester, mais mettre en quarantaine avant que Mounzao t'es capable de rentrer dans la communauté de retour dans le pays d'Haïti. Malheureusement, nous pas arrivé à faire ça pour tous les migrants. Effectivement, c'est un véritable danger pour la population haïtienne. Alors, en ce sens, quel message garde envers l'autorité haïtienne? Et message n'a pas changé. Et les migrants qui rentrent, nous pas qu'à empêcher de rentrer la caillou. C'est pays yo, faut yo tourner. D'ailleurs, nous avons un message que garde est toujours à véhiculer pendant période et coronavirus là nous connaît migrants yo qui était toujours en contact avec nous et qui relaient nous soit en téléphone yo relaient nous voyez message WhatsApp ou bien écrit nous par courriel pour parler nous de situation yo nous t'ai toujours demandé autorité pour prendre des mesures et yon mesure yo t'ai capable c'était aller t'ai capable aller accompagner moun ça directement côté eux dans territoire dominicain. Vous êtes capable de servir avec l'ambassade là-bas, à Santo Domingo, avec le consulat qui est présent. Yo. Ou bien l'autre mesure que nous apprenons, c'était aller chercher les migrants yo, pour mener yo la caille. Mais mener tout la caille là, tu as demandé tout pour avoir des mesures qui prennent pour tester tout le monde. Yo. Alors, puisque le monde a tourné par bande et par paquet, nous ne pouvons pas empêcher de tourner la caille, alors nous avons demandé à l'autorité. Pour renforcer le dispositif que vous gagnez sur la frontière là, pour faciliter le contrôle qui fait sur quel que soit migrant qui a sorti dans la République dominicaine pour entrer dans le pays d'Haïti, et même envisager des mesures de mise en quarantaine de migrants avant que les gens aient intégré la communauté pour aller dans le pays d'Haïti. Mais quand on a identifié quelques cas COVID-19 dans les migrants? Ah oui, c'est pas grave, mais en fait, information, yo, et nous pas connaît à date combien, et mais t'es gagné dans le premier groupe qui est venu, yo, des cas qui recensés, ou t'es recensé des cas de personnes qui infectées par COVID-19, et ça, dans le premier temps, ça a été fait autorité aussi en prise de température. Si température là élevée, yo, fait un test qui est poussé, et parmi mounsa, yo, t'es gagné des migrants, yo, t'es découvert qui contaminé par COVID-19 là. Effectivement, le fait que vous trouvez des personnes migrantes qui contaminées, ça t'a dû pousser yo pour
et mettre plus de monde sur la frontière là et augmenter le dispositif que vous avez sur la frontière là pour faciliter le contrôle qui fait sur quel que soit migrant, quel que soit le monde qui a sorti dans l'autre territoire qui a rentré dans le territoire haïtien. Alors, si vous avez un message envers les migrants qui ne sont pas bien pour les docteurs, mais message ça c'est un message pour tout le monde, c'est pas seulement pour les migrants. Dans le contexte n'a vivre là, c'est un contexte extrêmement difficile qui est marqué par un virus, par une pandémie que personne pas espéré. C'est quel que soit monde, une fois qu'on senti ou pas bien ou bien des signes même avant l'introduction de pandémie hein, et de virus ça qui est le COVID-19 là, le monde senti pas bien ou doit prendre chemin l'hôpital. Eh bien, dans le contexte encore qui est dominé par COVID-19, là, son monde a des signes qui t'a montré que le gagnant COVID-19, ce n'est pas arrêter de garder la caille. L'essentiel, c'est d'aller prendre chemin à l'hôpital et pour pibonner, pour capable de prendre des médicaments pour éviter que la maladie s'allie pour toi aller. Et soir et mercredi, nous avons écrit et lundi nous. De BAI, RNDDH, pour nous, parce que le commissaire dit que il n'y a pas de dossier. Il dit qu'il n'y a pas de rien de même. Mais ben, nous dit qu'il n'y a pas normal. Et alors que nous, en tant que parti, par qui on a averti parti tout, nous pensons qu'il y a un dossier pour reconstituer le dossier. Il déclarait, nous pensons que c'est une déclaration politique. Même j'ai avec ça, il a fait mettre la Fontaine dans le parquet de Brestan. Son déclaration politique, côté que il dit pas un dossier, et dans ce sens, le gouvernement va larguer tout au constant. Ça, c'est pour tout le monde. Et tout le monde qui peut avoir l'âge. Et tout au constant vini, et il fait une tentative là. Longtemps déjà. Étant donné qu'il était en prison, il peut qu'on finisse piger peine, mais il a joué, ça a roulé dans le système américain, il a demandé une liberté provisoire. Ou bien, ça a roulé parole. Il a balle parole pour le retourner. Donc, et, à chaque période, le gouvernement, Zagolo Rayo en place, il a cherché pour le vivre. Donc, mais nous toujours là, dans New York, Gigio, invitez-nous comme témoin. Vous venez expliquer le comportement tout au constant et est-ce que la pombe est pareil pour le pays. Mais quand il y a, tout le monde finit par et pour une question de parole, il est donné dans la loi américaine, depuis où vous finit par PGPN, vous ne pouvez pas gagner citizenship ou bien nationalité pays, automatiquement, vous avez la CAO. C'est le cas pour tout au constant. Mais, gagner. Et des activistes. Et l'autre bord, il y a IGDH, l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti, qui a suivi, et donc qui a suivi le dossier. Donc, il y a une pile pression qui est faite sur le département d'État pour rassurer. Parce que, il dit, il n'est pas paré. Souvent, il est au avec le gouvernement de la Goulou, Jovenel là. Donc, il n'est pas jugé parce que Jovenel est dans la frappe. Matéli est dans la frappe, est dans la Méninja. Donc, tout le cas, il n'y a pas de politique là. Il a dit, je pense que ravisez-nous. Ni Jovenel, ravisez-nous. Parce qu'un homme n'a pas sorti de nulle part. Tant que Jovenel, et puis pour lui, dans la chambre de commerce dans le nord-ouest. Donc, son monde, système de clown, pour venir, pour gérer le système, il connaît en tant que vagabond. À ce moment, Toto pensait que c'est un bon travail pour lui. Mais si pas une possibilité pour qu'il mette Toto Kosta en New York toujours, mais il faut qu'il y ait une pression qui fait. Et c'est ça, l'activiste fait. Mais il doit être fait. Et que nous avons eu hier, le département d'État a écrit et pour lui dire il faut que juge ton temps, Toto Kosta, il faut que les victimes de la botte joignent la justice. Et réparation. Là encore, nous avons un autre problème. Et ce problème, ça a traversé ici,
tout le monde a parlé de, seulement de Toto Constant. Quelle impunité. C'est impunité si on a fait ça. Alors que m'a la presse, et jugement, par contre, qui ça me fait encore, et ça sorti dans le moniteur, il y a 33 personnes qui sont condamnées par Koutumas. Et tout le monde va aller sur Toto Constant. Toto Constant, c'est une personne. Il y a Jean-Robert Gabriel qui n'a l'armée pour patate et HTK. Personne ne va dans. Personne ne va parler de lui. Personne ne va dire qu'il faut le juger. Ah, mes amis, je ne suis pas capable de faire une justice à deux poids, deux mesures. C'est vrai, Toto Constant, il a fait le passé comme bouc émissaire, mais ce n'est pas lui-même seulement. Après ça, vous pensez que le dossier a fini? Non. Il n'est pas normal. Peut-être ça. On a répliqué à département d'État. On nous dit non, pas seulement Toto Constant. Et c'est parce que le département d'État toujours a bail note. Et c'est supporter le gouvernement qu'il a. Vous comprenez pour qui ça a feindre pour aller sous Toto pour, parce qu'il y a plaide. Premièrement, si Toto va juger, puis c'est au gouvernement, il y a plaide. Et après, c'est lui qui lâche. On loue, on lion. Ça, on y a quoi. Mais ça fait gourmet pour Toto Constant. Juger. Mais tout y a caché l'autre monde. T'en coup Jean-Robert Gabriel, t'en coup Raoul Cédéas, t'en coup Karl Dorébien, t'en coup Louis-Joël Chamblain. Pour dossier à quatre frettes, et bien c'est Toto qui était pichot, et bien au fait. Donc nous dit non. Nous dit non. Nous n'avons pas d'accord. Et nous avons répliqué contre tout le monde et nous avons répliqué. Et nous avons fait la presse pour qu'on ait les noms voyés lettres là. Allez pour nous dire non, il faut que yo son package li. C'est monsieur qui n'a l'armée pour patate là. Faut que lui-même tout le constituer le prisonnier. Si nous parlons de justice, de rule of law, si nous parlons de due process ou bien justice équitable. Donc faut que Jean-Robert Gabriel al pointil non mettez le constituer tête lui ou bien il sait que nous dans l'état tout nous demander commissaire pour l'arrêter Mounzaou. Commissaire capable. Nous le honnête, il pas capable. Ça veut dire il va arrêter lui l'assemblée. Il ne peut pas arrêter Karl Dorébien. Il ne peut pas arrêter Jean-Robert Gabriel. Alors que c'est Jobli. C'est Jobli. Et où elle tape le caché et derrière, et il faut la presse comprendre, pour que ça le caché derrière le dossier, le dossier. Si vous arrivez dans la première stratégie, mettez tout au constant dehors, tout le est fini. Et sous prétexte, gagner et pas de dossier. Et la presse, même que la presse n'a pas le calonné, la presse là, nous vraiment prêté le flanc. Sérieusement. Comment on nomme au tribunal, c'est Gogo d'Aïve, ou même Bordeaux-Presse, qui est pour le côté, tu as parlé de dossier perdu. Est-ce que même dans BAI, je peux parler de client dossier perdu? C'est ma responsabilité. Il faut que le client, c'est soit je vends un procès, je vais adverser, je fais le bagage papier, pour me faire faute. Faut ça lui-même faut le punir. Ah non. Donc si tu as un événement qui a passé dans le BAI, qui a permis de se perdre, mais la loi dit que ça nous fait. Est-ce que le commissaire a fait ça? Le commissaire n'a pas fait ça. Mais il vient dire non, comme la presse ne comprend pas, et la presse va aller tout le bagaille, et M. Vigne sans vergogne, il dit que de se perdre. Mais il n'a pas dit, est-ce qu'elle a commencé parce qu'il faut aller, il y a deux possibilités. Possibilité, il y a un dossier parce que c'est le commissaire qui est même qui chef poursuite. C'est lui-même qui chef et qui t'a poursuivre. Il a choisi un dossier par hein? Deuxièmement, le reste du dossier, ou bien le dossier, il t'a doué dans le greffe là. Bon, vous allez aller en cassation. Ça va dans la cassation. Ou bien de Koutumas, ou pas capable. Et faire pouvoir sur un jugement par contumace. Et moun qui c'est contumace là, qui va faire. Mais ça a l'air dans la cassation. Ça va le faire, ça a l'air. Ma connaît. Faut le garder qui ça. Faut la passer à l'air. Ça a l'air. Alors, on nomme une écrité, nous mettons le commissaire gouvernement, la juge, la poursuivre criminelle pour nous, pour le faire société à picorec. Mais sont un crétin, un monde qui ne comprend pas un et un, qui ne comprend pas une stratégie juridique et qui n'est pas capable de retracer
ça que nous avons une responsabilité. Et c'est là que nous avons demandé. Si la presse n'est pas dit rien, nous ne pouvons pas permettre ça. Si le dossier victime de Naboto et t'as perdu, vrai, il faut nous connaître qui fait le perdu. Il faut nous connaître qui est venu là. Est-ce que c'est un problème de tremblement de terre? Dans ce cas, tu as un conseil qui était dressé. Qui dit bon, et par exemple, tu as acheté tel dossier, nous pas de il faut que tu aies un qui fait, qui dit. Donc, il faut que les criminels qui gagnent. Parce que moi-même, à plusieurs occasions, moi-même, je attaque. Je attaque ma justice. Il y a un dossier qui était là devant le matin, mettre coq et une coq, tu attaque pour une greffier qui t'a fait des ordres dans le greffe. Tribunal Gonaïve. Donc, il faut que les gens qui, si il y a un problème, il faut gagner, parce que c'est clair, le dossier a été dans le greffe là. Et même si le dossier a été dans la cassation, le greffe là, tu as supposé gagner, son relais, ils ont envie de réception. L'aime pour ton lettre dans la radio, dans le journal, dans le porte en ligne ou pas, je prends envie de réception. Je prends envie de réception dans le ministère de la justice, je prends envie de réception. Mais si, quand tu as envie de réception, tu fais le DL là. C'est bien. Donc, c'est pour nous dire, BAI, les non-victimes, pour poursuivre la question ça, et légèreté ça. Nous pourrons chercher pour nous connaître ce qui passe avec le dossier, c'est trop facile. Ce qui passe avec le dossier, la moto, qui était dans le greffe là. Donc, c'est une bataille qui ouvre. Nous connaissons, ça fait 20 ans. Nous parions tout pour nous faire l'autre 20 ans, si, et depuis nous là, pour nous faire, mais il faut au moins la justice là l'établir. Parce que nous ne pouvons pas permettre des vagabonds, des gens qui n'ont pas de capacité, qui viennent pour mettre nous dans une situation difficile. Alors, criminel dans le groupe de Constant, c'est même gens qui sera passé avec le dossier La Saline. Là. Il y a des gens qui. Massacrer les gens dans l'État. Nous avons dit que c'est terroriste d'État, mais c'est des crimes contre l'humanité. Et des juges qui font crétin et qui permettent le dossier à retarder. Alors, le barbecue a couru de descendre parce qu'ils ont récusé le juge-là. Le juge-là, pour me préciser pour le public-là, que les juges ont un monde besoin, quelle que soit la qualité, li voye mandat bay moun nan, soit invité le vin nan kabinet. L'el vini, li tandel, et men li, et fin tandel, li senti que moun sa, son moun ki ta dwe rete à disposition, moun sa ka pati, si l pati, la, li pap ka fè enquête li a jan de jen fè la, et ben li mande, il y a deux possibilités. C'est soit le monde de mon bon passeport, et puis, ou bien, lui mettait une interdiction de départ, et dépend de qui j'en lui jouait avocat, etc. Mais là, on juge beaucoup de monde. Vous avez fait de Fédéral Moshe, vous avez fait du plan, et vous mettez une interdiction de départ pour vous. Je vais faire une situation. C'est ça. Il faut d'abord, pour reconnaître tout, en tant que juge, ouais, donc, pour vous, et vin côté ou, et c'est ça premier invité au venir. Arrangement qui fait là, monsieur le palais national, plein avocat, mettre tout le ministre de justice là-bas, c'est quoi ma couette là, c'est yo qui fait les arrangements. Mettez l'élection de Babounet. Il connaît bien, et puis l'élection de départ, ça veut dire, n'ayez pas attaqué. L'élection de départ, et ouais, vous avez fait. Qui est votre avocat, qui est votre jeune avocat, tu as compris ça? Et le juge le propose de Madrid, il n'a pas compris ça. Et après, il dit, il est accusé, monsieur. Et puis, il est libre, il est free. Alors, comme ça, on paye comme ça, avec des vagabonds, des juges sans vergogne, malhonnêtes. Donc, qui n'a pas le juge, c'est ça. Donc, c'est des gens qui pas, soit mal formés, ils pas formés, soit compris. Bon, nous connaissons, M. Jovenel, lui-même dit qu'il mettait 50 juges corrompus. Donc, il y a d'ailleurs. Voilà,
Merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. Oup!